Dieu, la parole de Dieu, peut vous lever. Nous prenons Matthieu chapitre 11. We're taking Matthew chapter 11. Matthieu 11, 28 à 30. Matthew chapter 11 from verse 28 till 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Matthieu chapitre 11, from verse 28. Venez à moi pour tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Come to me, all that are weary, and I will give you rest. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. For my yoke is easy and my burden is light. Apocalypse 2. Revelation chapter 2. 2, verset 24 à 25. From verse 24. Till 25. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils appellent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depth of Satan, as they speak, I will put upon you none other. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. But that which you have already hold fast till I come. Prions le Seigneur. Let's pray the Lord. Notre Père Céleste. Our Heavenly Father. Nous sommes encore infiniment reconnaissants. We so faithful. Tu nous as gardé toute la semaine. You've kept us all the week. Et nous voici ce dimanche matin, t'es incliné. Pour vous te dire que nous ne sommes rien. To say nous that we are nothing. Rien. But we come nous to you. Ne pouvons rien. We can nothing. C'est toi qui as tout. You have everything. Pourquoi nous comptons que sur toi. We rely on you. Tu puisses nous parler. So you may speak to us. Pour notre transformation. Our transformation. Car nous nous préparons. Because we're getting ready. Pour rentrer chez nous. To go back home. Nous avons été avant la fondation du monde. Where we've been before the foundation of the world. Bénis les lèvres qui vont parler. Bless the lips that speak. Bénis l'interprète. Bless the interpreter. Bénis chacun qui est disposé à te recevoir. Bless each and every one who's. Et que tout soit pour tenir pour ta gloire. And let be this for your glory and all. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Nous voulons parler un peu sur échappons à toute contrainte. Échappons. Tout qui m'a contrainte. Okay, let us escape to all contraint. Contraint, ce sont des choses que nous faisons forcément. This is what we force de faire cela. Things that we do que on purpose. Nous le voulions ou pas. Willing or not. Et nous sommes contraints. So we forced to do that. Et nous vivons maintenant un siècle où nous avons beaucoup de contraintes. So we're living in a century where we're forced to do things. Je veux commencer à lire directement. I would like to read straight away. Dans la prédication, échappons à toute contrainte. In the preaching, let us escape to all enforcement. Verset 21 à 23. From 21 to 23. Nous irons au verset 30. So we're going to 30 as well. Il y a des versets. Citation. Quotation, it's not verse. Oui, c'est la verse, ça va. Paragraphe. De nos jours, les gens sont soumis à des pressions diverses. People are committed to kind of pressure. À des contraintes dans tous les domaines. Enforcement in every domain. Ces contraintes sont illimitées. And those enforcement, they are unlimited.
et ne respecte pas l'individu. They don't respect individual. Et s'oppose sur les jeunes. They oppose themselves. Et sur les vieux. To the youth and to the grown up. Sur le bien et sur le mal. Upon the good and the evil. Personne ne peut y échapper. Nobody can escape. J'ai vu ça suite à ce qu'on a vu le vendredi. I read this according to what we've seen on Saturday, on Friday. L'atmosphère spirituelle. The spiritual atmosphere. Ce sont des contraintes. These are enforcement. Qui font que nous soyons ce que nous sommes. That made us the way we are today. Mais Dieu ne nous impose pas de contraintes. But God doesn't give us some enforcement. Il a placé à chacun de vous libre arbitre. He put the choice in each and every one of us. Il vous parle. He speaks to us. Vous dites oui ou non. You need to say yes or no. Il vous force pas. He doesn't force you. Parce que il vous a donné la liberté. Because he has given you a choice. De choisir vous-même. To choose yourself. Et cette liberté. And that freedom. Ça va, je vais lire. I would like to read. 22. Nous vivons dans un âge de tensions nerveuses. We're living in the age where pressure. Il faut aller de plus en plus vite. We need to go so quickly. Il faut se presser toujours davantage. We need to hurry, always hurry up. On roule à près de 150 km à l'heure. We're running so quick at 120 miles per hour. Dîner à la maison. Just to get home. Et on attend 2 heures pour que le repas soit prêt. After getting home, we're waiting 2 hours for the food to be ready. C'est vrai. If that's true. Chacun s'énerve pour un oui ou pour un non. Everyone is under pressure for say yes or no. Qu'il s'agisse de l'époux ou de l'épouse. It might be for the spouse or the bride. Ou des enfants. Or the children. C'est que des tensions. This is a precious century. You just get hungry for nothing. Pour rien. You just hurry up for nothing. On va vite à la maison. You go home quickly. Sauf pour aller à l'église. But to go to church. Là on n'est pas pressé. We're not in hurry. On vient comme on veut. We're coming to church the way we want. Et c'est là où on devait voir une pression. That's where we should see the pressure. La parole de Dieu. When it comes to listen to the word je of God. Je suis à l'aise. You need to be in oasis. Je suis chez moi. I am at home. J'entends mon père me parler. I am listening to my father speaking to me. Celui qui me connaît bien. The one who knows me better. 23. Cette 23. Tension se développe de plus en plus. That pressure is growing more and more. Et nous pousse à agir hors de propos. And pushes to act out of way. Et à faire des bêtises. And to do things that they're not. C'est vrai. That's true. Nous sommes sous pression. We are under pressure. Un jour, one day, cela va finir par éclater. This will blow up. La chaudière va sauter. It will blow up one day. Plus la tension augmente, more the pressure is growing up. On a des crises. And more we have crises. On pique une crise pour rien. And we can go slump for nothing. Pour un petit rien. For nothing. On s'énerve. We just get crazy. Pique la crise. And we go. On appelle l'ambulance. We under pressure and we got the route. Ambulance and punette au bouquet. On the way you have. Vous mourrez. The flat tire and then you die. Donc, c'est un siècle de vitesse. This is century of. Je vais faire un peu plus vite. Verset 30. Paragraph 30. Okay, let's go to paragraph 30. Ça c'est que la soupe. This is the source. La chose véritable. This is source to enter the genuine thing. Aujourd'hui dans cet âge névrotique où nous vivons. Today this age where people are nervous. Tout le monde est sur le nerf. Everybody is nervous. Nous sommes bousculés par le temps. We are pushed by the time. Il faut toujours aller plus vite. We need to go quickly and fast. Sous la pression des circonstances. Under pressures of circumstances. Nous agissons souvent d'une façon inconsidérée. Often we acting in such a way that cannot be considered. Je crois personnellement que c'est l'ennemi qui nous pousse à nous hâter en toutes choses. And I believe that this is the enemy who pushes us to do so. C'est l'œuvre du démon. This is the devil's work. 31.
31. Nous savons que le retour du Seigneur est imminent. We know the coming of the Lord is soon. Et la Bible, and the Bible nous dit que dans les derniers jours, tells us in the last days, le démon rugira comme un lion. The demon will roar as a lion. C'est lui qui vous fait vivre sous pression. He's the one who makes you live under pressure. Sous la contrainte. Under constraint. Pour que vous preniez des décisions à la hâte. So you may take decisions so fast. Sans mûre réflexion. Without thinking. Et je crois que ceux qui sont spirituels, I believe the spiritual persons, sont déjà dedans. They already in. Il y a quelque chose qui part tous encore dans la pensée. So those that are still encore, thinking, qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qu'on va voir? They're just expecting what are we going to hear? Bien qu'en écoutant ça, but only listening to this, le Seigneur fait le résumé. God can do la situation que nous traversons. Of the situation that we're going through. Jeune ou vieux. Young or old person. Européen ou africain. European or African. Ou américain. Or American. Cette pression est partout. This pressure is everywhere. On va lire Frère Branham. We're going to read Brother Branham. Aussi avait un jour agi sous pression. Him also one day he acted under pressure. Lui le prophète. He is the prophet. Et vous et moi. And you and me. Qui sommes-nous? How are we? Who are we? Personne ne peut y échapper. Nobody can escape to that. La pression est là. The pressure is there. Même pour se marier. But even to get married. On va vite. We're going so quickly. Nous suivons la Bible. In the Bible. Toujours dire mon cousin. We just take a shortcut. Raccourci. A shortcut. Y a qu'à te vendre. Come and see. To put a lingua na deso. That we can have children like that. Mais ici, quand même, je vois que matamoya ko tovanda wezate. But here I can see there is no come and see. Come and live together. Peut-être en cachette. Maybe it's hidden. Visiblement, non. But visibly we cannot see on nothing. À travers le monde. But through the world. C'est la pression qui fait qui agit maintenant. The pressure is. Everybody's under pressure. Le prophète. I'm reading prophet. Quand il dit que je ne mettrai plus sur vous des fardeaux. When he says, I'll put upon you my yoke. Suite à ce qu'on a vu le vendredi. This is according to what we've seen on Friday. Spirituel. The spiritual atmosphere. Cette atmosphère pour y entrer. To enter in that atmosphere. Ce n'est pas vous. It's not you. Ce n'est pas moi. It's not me. C'est lui. But it's him. Ce n'est pas par la force. It's not by force. Non par la puissance. Not by power. Mais c'est par son esprit. But it's by his spirit. Ce n'est pas celui qui veut. Not the one who will. Ce n'est pas celui qui court. Not the one who runs. Il est centré sur lui. But it's him. Parce qu'il a tout tracé. He has planned everything. Chaque prédicateur a sa manière de prêcher. Each preacher has his own way to preach. Hier, je me suis dit. Yesterday, I told myself. Frère Sylvain, c'est comme un homme qui a suivi la science. Brother Sylvain is like someone who was inside. A sa manière de prêcher. So everyone has his own way of preaching. Si vous êtes attentif, but if you carefully, chacun vous centre sur un seul but. So everyone is pushing you to one point. Entendre Jésus vous parler. Is to listen to Jesus speaking to you. Qu'on saute ou qu'on fasse des cribbits. You may jump or do whatever. Vous n'entendez pas Jésus vous parler. If you don't have Jesus, if you don't hear Jesus speaking, il va vous pousser à une pression. Oh, that's no, he's pushing you to a pressure. Vous direz, maybe you say, je ne viendrai plus ici. I'm not coming in here anymore. Pression. That's pressure. Je ne viendrai plus ici. I won't come anymore here. Passons à la maison. Maybe at home. Et si vous restez à la maison, and if you stay at home, vous brisez les écritures. You break the scriptures. Là, vous préparez votre enfer sérieusement. Then you open your hell seriously. Vous allez à l'église. You come to church. Dieu vous parle. God speaks to you. Dieu vous corrige. God corrects you. Vous dites merci Seigneur. You say thank you Lord pour ta correction. For your correction. Vous vous amendez. And then you tell yourself. Vous allez voir maintenant. And then as you can see now. Deux groupes de gens. There's two groups of people. Tels que nous sommes ici. The way we are here. Deux groupes de personnes. Two groups of people. Persons. Il vient à l'église. They come to church. Mais dans son cœur. But in his heart. Il a autre chose qui le suit. There's something following him. Rentrez-vous dans la pression ici. So everybody's in pressure. Voyons exposer des âges de l'église. Let's speak exposition. Let's see in this exposition l'âge of age of church. De Thyatire. Age of Thyatire. Thyatire exposé. D'abord, je commence par ce qu'on a lu. Je ne mettrai plus un fardeau sur vous. We start by I won't put upon you pour, a yoke. Pour les enfants de Dieu. For the children of God. Il n'y a pas de fardeau. There is no yoke. C'est qu'on a vu les there's no burden. That's what we see. Nous le faisons à l'aise. We're doing it on ease. Sans qu'on puisse vous forcer. Without being forced. Mais vous sentez en vous. But you feel in you. Un désir. A desire. D'aimer Jésus. To love Jesus. Un désir. A desire. D'aller à l'église. To go to the church. Un désir. A desire. Payer votre dîme. To pay your tithe. Je crois on va lire ça. We're going to read that. Qui vient du cœur. A desire that's come from your heart.
Si vous avez des dettes, if you have a debt, c'est une contrainte. That's a contract. Je ne paye pas ma dîme. I don't pay my tithe because I have a debt here. C'est une contrainte. That's a pressure. Mais si vous avez l'amour de Dieu en vous, if you have love of God in you, vous serez libre d'agir dans votre cœur selon la conduite du Saint-Esprit. You'll be free to act according to the leadership of the Holy Ghost. Exposer des âges. Let us take exposition of ages. Page 230. On page 230. Maintenant, écoutez. Now listen carefully. On commence à entrer dans la chose sérieuse. We begin to enter now in the serious things. Dieu nous aime tellement. God loves us so much. Il a tout préparé. That he has prepared everything. Il a tout préparé. He has prepared everything. Il n'a rien laissé. He has left nothing behind. La science qui est en train de détruire les plans de Dieu. The science is showing the plan of God. La science, the science qui est en train de détruire tout. Is destroying everything. On cultive la semence aujourd'hui et dans deux semaines on en mange. We cultivate a seed today and in 2 weeks we ça, eat it. On est en train de jouer avec Dieu. So they play with God. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. I'm not putting upon you another burden. Le mot traduit par fardeau signifie un poids. Burden means a weight. Une pression. A pressure. Et la pression de l'âge de ténèbres, c'était de devoir plier. The pressure in darkness age is to pray. Ou d'être brisé. Or to be broken. Se courber ou mourir. To bow down or die. C'était l'Inquisition. This was Inquisition. La puissance de l'Empire donna son appui au culte de Satan. The power of the Empire giving is pressure to the service of Satan. Appartenez à une organisation ou mourrez. So you belong to one recession or you die. Dans chaque âge, il y a eu des pressions. In each ages, we have some pressure. Par exemple, for example, l'un des grands fardeaux du dernier âge, c'est la pression de la richesse. One of the biggest burden is the riches in the age. La pression du confort. The pressure of comfort. Et de la tension nerveuse. And pressure. Tout le monde veut être riche. Everybody wants to be wealthy. Tout le monde veut être bien. Everybody wants to be something. Un confort. He needs to be wealthy. Il veut se sentir à l'aise. He wants to feel himself mais rich. De sa manière. But in his way. Oh que Dieu. Or God. Nous a créé. He created us. Pour dépendre entièrement et totalement de lui. To depend entirely to him. Dieu n'a pas créé son fils pour se débrouiller seul. God didn't create his son to manage himself. On se débrouille pas. We don't have to manage. Dieu a tout tracé. God has planned everything. Il a plan devant nous. He has a plan before us. Nous écoutons ça. If we listen nous to that, croyons, we believe, nous obéissons, and we obey to that, Dieu fait la suite. Then God do the rest. Il ne vous force pas. He doesn't force us. Il ne vous menace pas. He doesn't tease you. Si vous faites précis, vous mourrez. Ça, c'était la loi. Si vous touchez l'arbre, vous mourrez. Oh, if you touch the tree, si you die. Vous mourrez. You eat, you die. Ça, c'était la loi. That was the law. Avec notre père Adam. With our father Adam. Jusqu'au déluge. Till the rain. C'était la loi. It was the law. Et personne n'avait réussi avec la loi. And nobody could resist with the law. Dieu a trouvé que God has found c'était that. Bien. It was good. Qu'il le fasse lui-même. So he may do it himself. Maintenant, now, moi j'ai tout fait. I've done everything sans I can. Sans condition. Without condition. Voyez seulement. Don't believe. Ce que je vous to what I'm telling you, le reste, and the rest of moi, it, Dieu, I, God, accompli ça. I will fulfill. Ce n'est pas à vous de vous débattre. It's not you who need to fight. You need to manage. De vous forcer. You to force yourself. Mais croyez seulement ce que Dieu vous but dit. Only believe what God tells you. Dieu est d'accord avec vous. And God is, I agree with you. Il va accomplir la suite. He will fulfill the rest. Le fardeau du quatrième âge semble avoir été assez clairement défini. The burden of the fourth ages is defined. Défier Rome. Defile Rome. Prendre position pour la parole. Take position of the word. Quitte à le payer de sa vie. To pay for his life. Dire, on venait, on vous demande. Well, today they ask you. Est-ce que es-tu chrétien? Are you Christian? Oui, je suis chrétien. Yes, I am. On vous coupe la tête. Oh, they will fini. They will slay you, and you say, "That's it." Es-tu chrétien? Are you Christian? Oui, je suis chrétien. Yes, I am. On vous coupe la tête. They slay you. C'était obligatoire. That was forced. C'était forcé. It was forced. Mais aujourd'hui, but now, Satan lui-même, Satan himself. À la brochure. He has a book. The brochure de Frère Branham. This message of William Branham. Il a des CD. So he has a CD. Il a des MP3. He has MP3. Il a tout.
He has everything. He has everything. Mais c'est Satan. He's the devil. Il se porte bien aussi en costume. He also wears a suit. Il wears a cravate. And the tie. Mais quand il parle, when he speaks, les élus, the elected, as the seed of God in them, when Satan speaks, they know that ça, c'est l'ennemi qui me parle. This is an enemy speaking to me. Il va hésiter, dire amen. Il va commencer à hésiter, dire amen. He will hesitate to say amen. Maintenant, Satan est très rusé. Now Satan is so scary. Il ne tue plus physiquement. He doesn't kill physically. Mais maintenant, il tue spirituellement. Now he's killing spiritually. Quand vous croyez son mensonge, if you believe his lie, votre âme est déjà tuée. And then your soul is dead. Elle est morte. You know, your soul is dead. La Bible dit, the Bible says, l'âme qui pêche, the souls that sin, c'est celle qui mourra. Is the one who died. Donc nous maintenant on a une mort spirituelle. So we have a spiritual death. C'est pourquoi on peut livrer quelqu'un à Satan. That's why we can put someone in Satan's hands. Il se porte bien. And he is good. He's living. Comptez, il grossit. He's becoming healthy, and you is becoming healthy. Parce qu'il est dans son camp. Because he is in camp. Mais vous, enfants de Dieu, but you, the children of God, n'acceptez pas qu'on puisse vous livrer à Satan. Do not accept anyone to Parce put you in certain hands. If they put in certain hands, c'est vraiment une barrière qu'on va mettre devant vous. It should be a great barrier in front que of you. Vous ayez raison ou pas, you may be right or not. Refusez que vous livrez à Satan. Refuse so that you may be put in the hands of Satan. Ne pas accepter ça. Don't even accept it. Parce que c'est une malédiction. Qu'on va placer sur vous. That the curse they will put upon you. Et la profondeur de Satan, the deep, la profondeur de Dieu, c'est quoi? What is that? Et bien, c'est qu'une fois qu'on a la profondeur de Satan, what is the depth of Satan? Je ne mets plus sur vous d'autres fardeaux. I'm not putting any more upon you this burden. Je vous donne mon fardeau qui est doux et léger. I'm giving you my yoke which is light. La part de Dieu est dure. La part de Dieu est dure. That's hard. C'est dur. That's hard. Mais un enfant de Dieu, but a child of God, quand il croit ça, when he believes this, il a la semence de Dieu en lui. Amen. He has seed of God in him. Ça ne va pas lui peser. It won't be weighed upon him. Ça ne va pas lui faire souffrir. It won't make him suffer. Comme votre tête, que vous avez votre tête là. As your head. Si on la coupe, if they slay, on la met sur un plateau, and they put upon the plate, vous sortez d'ici, you get out from here, vous arrivez à la principale, get on the road of the, vous commencez à changer de main. And you start, you say, oh my God, ma tête pèse comme cela. My head is so heavy. Yeah, your head will be heavy. Mais vous savez pas. But you do not know. Parce que lui qui a cette tête là, but the one who gave you that head, c'est le meilleur ajusteur. Is the best adjuster. Donc, pour savoir que votre tête commence à peser, if it sees that your head become heavy, allez vite à l'hôpital. Just go quickly to the hospital. Vous êtes malade. Because you're sick. Vous êtes malade. You're sick. Cherchez un médecin. You need to look at doctor. La profondeur de Satan, c'est quoi? So what is the problem of Satan? Commencez par d'abord par la profondeur de Dieu. Let's start by the depth of God. C'est quel est? What is that? La profondeur de Dieu, c'est quoi? Of God. What is that? Toujours dans exposé. In exposition. 230 toujours. 230. Voyons d'abord ce qu'est la profondeur de Dieu. Let us look what is the depth of God. La profondeur de Satan, c'est l'opposé. The death of Satan is opposite. Ephesians 3:16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. So he may give you to be powerfully dans l'homme intérieur. Bon, je lis ça plus tard. Quickened by his spirit in your person. Okay. It's the person inside you. C'est fini? Aussi c'est bien que ça va. En sorte que, non, c'est pour l'anglais, mais moi ma tête. En sorte que Christ habite dans vos cœurs so that par la foi. Christ may live in your heart by faith. Afin que tant enraciné et fondé dans l'amour. So by being rooted and in the love, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. You may understand with all saints what is the length, la longueur, the length, la profondeur, and the depth, et la hauteur, and et connaître high, l'amour de Christ, and to know the love of God, qui surpasse toute connaissance. That is above all knowledge. En sorte que, so that vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. You may be full until
the fullness of God. Donc selon ce verset, according to this verse, quand un homme fait l'expérience de la profondeur de Dieu dans sa vie, when a man goes through experience with the deepest of God in his life, il s'agit d'une véritable expérience personnelle de Dieu. It is about a genuine experience habité with God, en lui. God living in him. Et alors son esprit, and in his spirit, illuminé par la sagesse, is lightened by the wisdom, et la connaissance de Dieu, and the knowledge of God, qu'il reçoit par la parole, who received by God, say by the word. Ça c'est Dieu. That's God. Maintenant écoutez la profondeur de Satan. Now listen to the depth of the la Satan. La profondeur de Satan. The depth of the par Satan. Par contre, c'est qu'il s'efforcera d'anéantir cela. He will try to vanish this. Il essayera toujours de remplacer cette réalité de Dieu par he will try to replace this reality of God by something else. Comment s'y prendra-t-il? How will he do this? Il enlèvera la connaissance de la vérité de Dieu. He will take, he'll remove the knowledge of the truth of God. En anéantissant la parole pour mettre la sienne à la place. By vanishing the word to replace by his. Dieu a-t-il réellement dit? God has really said this. Il prendra alors la place de la personne de Christ. He will take the place of the person of Christ. Dans notre esprit. In our spirit. Il le fera. And he will do that. Comme il l'a fait. The way he did. Avec Israël. With Israel. En faisant régner en être un être humain comme roi. By being like a king among the men. À la place de Dieu. On a place on behalf of on God. Prendra l'expérience de la nouvelle naissance. They will take that experience of new birth. À une église. To join to the church. C'est au cours de cet âge que l'église est entrée dans les profondeurs de Satan. It's during this age that the church enters in the depth of Satan. Et le fruit de cette profondeur de Satan, and the fruit of this day, qui sont le mensonge, is a liar, le meurtre, the murder, et des crimes abominables, the crime, ont été manifestés dans cet âge. They were manifested in this age. Donc les mensonges, the lie, c'est un fardeau, is a burden, que Satan a largué dans le monde. That Satan is throwing the world. Il y a le meurtre, the murder, les gens tuent comme ils veulent. People are killing the way they want. Maintenant les Arabes se battent entre eux. Now they're killing each other. S'il n'est pas vraiment un vrai Arabe, alors on va les poursuivre. If it's not a genuine Arab, the Arabic, they're going to follow him. C'est-à-dire que Satan, s'il ne tue pas, il n'est pas content. If Satan doesn't kill, he's not happy. S'il ne ment pas, il n'est pas content. If he doesn't lie, he's not happy. Quand il ment, il est à l'aise. When he lies, he's happy. Quand il tue, il est à l'aise. When he kills, he's happy. Quand il vole, il est à l'aise. When he steals, he's happy. Quand il convoite, il est à l'aise. When he lasts, he's happy. Quand il injurie, il est à l'aise. When he insults, he's happy. Ça, c'est la profondeur de Satan. That's the depth of the Satan. Mais quand Dieu entre dans votre cœur, when God enters your heart, il veut que ces choses la sortent de votre cœur. He wants all those things to be removed from your heart. C'est pas facile. It's not easy. Il faut que vous soyez décidé. You must be you must decide. On prend des décisions à la hâte. But we just take decision quickly sous pression. Because we are under pressure. Si vous ne croyez pas le message, if you don't believe the message, sortez de ma maison. Just get out from my house. C'est une pression. That's a pressure. Donc vous dites oui, je crois. I believe. On va le faire baptiser. So you get baptized. Parce que il y a une pression. Because there is some pressure upon. Papa dit si je crois pas, il me chasse la maison. That says if you don't believe, he'll chase me. Mon mari a dit si je ne crois pas. My husband told me if I don't believe. Il ne va pas m'acheter une pièce de wax. He won't buy to me a cloth. Mon mari a dit. My husband si je ne fais pas ça. If I don't do this. Sans pression. This all this. Alors on prend la décision à la hâte. Then we just make up the mind. Sans réfléchir. Fast without thinking. When God calls you, il touche d'abord votre cœur. He first touch your heart. Vous écoutez. You listen. Vous dites oui. You say yes. Ça c'est Dieu qui me parle. It's God speaking to me. Pour mon salut. For my salvation. Pour ma délivrance. For my deliverance. Et sans lui, without him, je risque la mort. I might die. C'est comme ça que Dieu agit librement. That's God say freedom. Il ne vous force pas. He doesn't force you. Donc la profonde de Satan, c'est le mensonge. The seven way is meurtres, the liar, is killing, les crimes abominables, crime and everything. Quand on était au Congo, when we were in Congo, on suivait ce qui s'est passé au Niger. We were following those that things that happened. On a saccagé les églises. They
Quand nous sommes they destroy ici, churches. Ils viennent, as we are here, ils entrent, they just come and enter. Ils vont nous tabasser, they start killing us, tuer, and they kill us. Ils vont brûler, and they burn. On a suivi des églises qu'on a incendiées. We have followed the church that was burned by those people, Arabic people. Mais c'est compliqué. It's so complicated. Vous voyez, mes frères, si vous l'entendez ici, lui aussi avait fui. Even my brother was here. He ran away. Sans demander permission à l'autorité. Without even asking permission. Quand vous fouillez, when you run away, à qui vous demandez permission? Without, vous cherchez à vous sauver. You need to save yourself. Lui aussi là-bas fuit. So he ran the other side. L'autre là-bas fuit. And the other side, vous the other, fouillez. Everybody's running. Chacun de son côté. Everybody on his corner. C'est une pression qui s'exerce. That's a pressure. Dans ce monde qui est devenu très mal, très in this, malade. In this world, in the sick world. Très très, très malade. This world is so sick. Donc si vous ne mentez pas, if you don't lie, on ne vous donne pas de grade au service. They don't give you a, they don't promote you. C'est un mensonge. C'est un fardeau. That's a burden. C'est un fardeau. It's a burden. Les crimes, les meurtres, c'est un fardeau. The killing is a burden. Mais aux chrétiens, but a Christian, Dieu enlève ça. God is removing. Bien que sa parole est dure, his word is hard. Mais il dit que mon doux est léger et facile. But he says, my yoke is light and easy. Alors maintenant, il y a deux catégories de gens qui sont dans ce monde maintenant. There is two types of people. La première catégorie sont des hommes et des femmes. The first category is qui sont poussés par la contrainte. Men and women that ils font des histoires. They do things. Mais après, ils demandent pardon. And then they ask forgiveness. Ils cherchent à s'amender. They just want to redeem. Ils veulent changer comme notre père Jacob. They need to change our, like our father Jacob. Un menteur de naissance, mais dans son cœur, il enviait les droits de naissance. But his in heart, he wanted to be a firstborn. Il se disait, mais ça, c'est pas ma nature. He said, it's not my nature. Là où j'étais, where I was, je ne mentais pas. I wasn't lying. En venant au monde, j'ai commencé à mentir. I start lying. J'ai commencé à envier. I start lying. J'ai commencé à jalouser. I start to be jealous. Tout ça, le monde. All this mais is the dans world. Son cœur, il avait un ardent désir de changer. He had a desire to change. Et nous aussi, and us as well, si nous avons ce désir de changer, if we have that desire of change, Dieu va l'accomplir. God will fulfill. Mais si on va voir l'autre catégorie qui est là, we see another type here. Ils n'ont pas le désir de changer. They don't even need to change. Le fait qu'ils viennent à l'église, by coming to church, le pasteur les voit, the pastor can see them. Quand à la maison, when they go back home, fini pour lui. That's all for them. Le pasteur m'a vu, c'est fini. The pastor has seen me, that's mais it. Mais qu'il vous voit ou pas, he can may see you or not. Il faut que cet homme là, touche votre âme, to touch your soul, touche votre âme, to touch your soul. Il vous pousse à vous demander pardon, he push you to ask forgiveness. C'est ce que Dieu veut. That's what God needs. Parce que le jour de la Pentecôte, that day of Pentecost, les premiers désirs de Jésus demeurent les mêmes. The first desire of Jesus is the same. Il a donné la repentance. The repentance. Il a envoyé Jean Baptiste. He sent John the Baptist. Premier message. The first message. Repentez-vous. Repent yourself. Amen. Il a invité les gens à se repentir. He called people to repent. Jésus lui-même est venu. Jesus himself came. Premier message. The first message. Repentez-vous. Repent. Donc c'est ça les premières instructions que Dieu donne. That's the first command God gave. Si vous ne vous repentez pas, if you don't repent, on peut vous baptiser 1 million de fois par jour. Then you may be baptized. Vous ne changerez pas. You never change. Dieu veut que vous suivez ses instructions. God wants you to follow His command. Vous devez connaître que vous êtes né pécheur. You need to know that you're born sinner. Vous êtes un malfaiteur. You are wrongdoer. Jésus mort pour les gens qui sont bien. And God is dying for people. Pour les brigands. Good people, but He died for the bad. Pour les voleurs. He died for pour les assassins. He died for les morts pour les malfaiteurs. He died for the criminals. Ceux qui ne font rien. Those that do nothing. Jésus ne les connaît pas. Jesus does know them. C'est pourquoi il a versé son sang à la croix. That's he shed his blood on the cross. Les malfaiteurs puissent revenir. So that the wrongdoer may come back. Sur le droit chemin. On the right way. Deuxième classe. The second class. Ce sont des gens qui ne veulent pas s'amender. The people that don't want to redeem themselves. Ils ne veulent pas même demander pardon. They don't even want to ask forgiveness. Dans une délivrance totale, in the total deliverance, le prophète Branham said this, avait menti. He lied. Le prophète, the prophet lied. Il avait menti. He lied. Écoutez son mensonge. Listen to his lie. Il a menti comme un bébé. He lied as a small child. Il était contraint. He was forced. Il était contraint par les avocats. He was forced.
by the advocate. Acculé. They pushed him. Finalement, and finally, quand le téléphone a sonné, when the phone was ringing, la femme qui a reçu le téléphone, his wife picked up the phone. Au paragraphe 60. On paragraph 60. J'ai dû faire ça dernièrement. Je sais que j'avais mal agi. I did it recently, but I know that I did menti. I lied. J'avais incité ma femme à mentir. I pushed my wife to lie as well. Je crois que je vous en ai parlé. I believe I told you about that. Il y a quelques jours. Donc sa femme, quand le téléphone a sonné, when the phone rings, le prophète a dit, the prophet says, dites-le que je ne suis pas là. Il sort directement. Hey, get out! Just tell them I'm not. Mede did no. Mede said no. Oh, kusangati. You will never lie to me. Oh, kusangati. You will never lie to me. Dis-le que je suis pas là. Tell them I'm not there. Et je me suis précipité derrière la maison. And I just go quickly behind the house. Quand je suis revenu, when I get back, Mede est très consciencieusement pour ces choses. Mede was. Mede. Mede. Elle est venue me voir. Came to see me. À la porte. Elle était au bord des larmes, elle voulait même pleurer. Amanda came to see me, she was crying, she was about to cry. Bill, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Is that a good thing to do? Vous savez, you know, comment vous êtes? You know how you are? Je sais comment moi je suis. I know how I am. J'ai dit bien sûr. I said I know. Je n'étais pas ici à ce moment-là. I was not sure that time. Je savais que Dieu m'avait condamné pour ça. I felt that God has condemned me for that. Je n'étais pas ici à ce moment-là. And I said I wasn't here in that time. Et elle a dit. And he said. Mais tu étais ici quand il a appelé. You were here when they called. Quand il a eu le téléphone, tu étais là. Tu étais là. When the cell phone rang, alors, you were. Cet après-midi-là, je suis allé prier pour un bébé malade. And I said I went to pray for a child. Avant de quitter la maison, before I left le home, le téléphone a sonné de nouveau. The phone rang again. Et le petit Joseph, and Joseph est allé vite saisir le téléphone. Went quickly to get the phone. Ma. Il a dit, and he said, Papa, Papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là? You want me to tell them that you're not there? Donc le mensonge devient contagieux. So the lie become contagious. Contagieux. It became contagious. Papa, tu veux que je te dise que tu n'es pas là? Daddy, you want me to tell them you're not here? Voyez-vous comme le péché corrompt? Can you see how the sin corrompt? On aurait là à la fin. What kind of people will Mama have at the a end? Menti. Joseph a menti. Dad lied. Toute la maison lied. Dans les mensonges. Mama lied and all the house lied. Alors je me suis mis à prier pour ce bébé. And I put et myself, au moment où j'allais lui imposer les mains, and at that time when to lay my hand upon him, God, il a dit, rebuked me and said, tu as dit un mensonge. You say a lie. Tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. You not deserve to pray for this baby. J'ai tourné de cet homme. J'ai dit, monsieur, attendez-moi ici. Je dois aller rectifier la chose. And I say, man, wait me here. I'm going to rectify the thing. Tu veux le changer? Is there somebody want to change? Il veut arranger ça. He want to fix it. Et c'est ça la nature du chrétien. La nature of the Christian. Je suis prêt à demander pardon. You ready to ask forgiveness? Je suis prêt à accepter la faute. You ready to accept si the? Si je tort, oui. Et si je tort. If I'm guilty, mais I'm guilty. La nature de Satan. But the certain people. Satan ne veut pas accepter la faute. Satan doesn't want to accept the. C'est toi qui as mal fait, moi, pas moi. Oh, you the one who did wrong, not me. Ça c'est la nature de That's Satan. That's certain nature. Il s'est avancé. Bon, alors il a demandé, il a téléphoné l'avocat. Il s'est avancé, il a mis les mains sur mon épaule. L'avocat a dit en tout cas, Frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous. And when I spoke to advocate, the lawyer came and put the hand upon his shoulder. He said, Frère Branham, I used to believe you, but now I believe in you more than before. Qui est prêt à réparer ce tort? As somebody who is ready to fix his mistake. Ready to say, forgive me. Frère Branham, j'ai maintenant plus confiance en vous. And that man said, now I trust you more than before. Ça, c'est le plan que Dieu a tracé. This is the plan God has put. Les gens qui ne veulent pas demander pardon. The people that don't want to ask forgiveness. Il peut savoir qu'il a mal fait, mais il demande pas pardon. He knows he is wrong, but he doesn't si je want je demande to give pardon, il se moque de moi. Si je demande pardon, il va se moquer de moi. If I ask him forgiveness, he will make fun of me. Si se moque de vous, if he makes fun of you, il n'est pas normal. So it's not normal. Amen.
Il n'est pas normal. It's not normal. Mais un homme normal. But a normal man. Une femme normale. A woman normal. Quand il commet l'erreur, l'erreur. When he does something wrong. Il demande pardon. He asks for forgiveness. C'est comme ça que Dieu veut. That's the way God wants it. Mais nous, nous avons toujours raison. But we always right. Demandez pardon à ma femme. Ask my wife forgiveness. Elle va se moquer de moi. Oh, she will make fun of me. Demandez pardon à mon mari. Ask forgiveness to my husband. Elle va dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Oh, she will say, he will say, I don't have the Holy Ghost. Je n'ai pas le Saint-Esprit. L'essentiel est que Dieu voit que vous avez demandé pardon. Accept it, but God knows that you ask forgiveness. Qu'on vous pardonne ou pas. He may forgive you or not. L'essentiel, vous avez demandé pardon. You have asked forgiveness. Sincèrement. Sincerely. C'est ce que Dieu veut. That's what God wants. Mais le diable est là pour nous tromper toujours. But the devil is there just to lie to us. Ça, je lis dans une délivrance totale. Now I'm reading in total deliverance. Et échappons à toute contrainte. Let us escape to all enforcement. Paragraph 53. On paragraph 53. Sont des choses que nous ignorons beaucoup. These are things that we ignore a lot. Dieu voit que nous sommes des ignorants. But God sees that we ignorant. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. And my people will never be in the confusion. Dans ce monde, il existe deux classes de gens. In this world, there is two type of people. Frère Rudel, permettez-moi de dire ceci. Let me say this, brother, again. Il y a des hommes et des femmes. There's men and women qui réellement ne veulent pas agir comme ils le font. That really don't want to act the way it should be. Sachant qu'ils agissent mal. Knowing that they wrongdoer, they do wrong. Ils ne veulent pas pécher. They don't. Ils ont le regret de leurs actes. They don't want to sin, so they regret their acts. Ils ne voudraient pas agir ainsi. They will not want to like that way. Mais ils sont poussés à le faire. But they push to do that. Et il existe un lieu de refuge pour cette catégorie de gens. Pour ça, on va voir ça prochainement. There is a place ça, of. Ça c'est un morceau dire qu'on va voir. This is a big. Donc là, nous sommes du côté de ceux qui veulent. Mettez leur vie à now we're speaking about those people that want to fix their lives. Nous sommes tous nés dans les péchés. We all born in sin. Sauf un seul. Except only one. Qui est né de manière virginale. He came without. Jésus lui-même. It's Jesus himself. Né dans une vierge. He came through a vision. Une vierge qui n'était pas mariée. A virgin which was not married. Ça c'est pour défier, la science. It was to challenge science. Une femme qui n'est pas mariée et woman, which is not possible. Married. Mais Jésus l'a fait. But Jesus did it. Parce qu'il vous voyait. Because he knew you. Il nous voyait. He saw me. Dans les mains du diable. In the hands of Satan. Il verse un sang. He had to shed the blood. Lui, Jéhovah n'a pas de sang. Jehovah does not have blood. Les anges n'ont pas de sang. The angels don't have alors, blood. Que devait-il faire? What should he do? Il devait quitter la gloire. He had to leave the pour glory. Descendre. To come down. Jusque dans le sein de Marie. Until the womb of Mary. Un corps. To get a place, a body of flesh. Called Jesus. Et dans ce corps là, Jésus. And that blood, that flesh, Jesus. Le Père est entré. The Father entered. C'est pourquoi il disait. That's the reason I say. Celui qui me voit. Whoever see me. Voit le Père. He see the Father. Le Père et moi. The Father and me. Nous sommes un. We are one. Ça c'était pour les enfants de Dieu. That was for the children of God. Les élus. The elected. Que nous sommes. That we are. Mais si nous sommes élus. If we are elected. Alors nos actes. Then our acts. Doivent montrer que. Nous sommes les élus. Must demonstrate that we are elected. Un élu qui est toujours dans le péché. The elected which is always. Un élu qui continue à mentir. Elected who used to lie. Trompé. To always lie. Un élu. That is not an elected. Prédestiné à la perdition comme Judas. Is predestined to lost, to be lost as Judas. Alors, rapidement, nous prenons quelque chose qui nous concerne maintenant. Let's take something that concerns us. Le dimanche, j'étais ici. Last Sunday, j'ai écouté le pasteur Papi se promener ici. I listened to Pastor Papi. Avec un pape qui est venu de Diakonaba. 40 personnes qui ne payent pas la dîme. 40 personnes. 40 people. Alleluia. Who doesn't want to pay, who don't want to pay the tithe. C'est petit enseignement. That's the reason why I get ready for this teaching. C'est dans ce petit enseignement. It's in this teaching. Parce que Dieu veut nous bénir. God wants to bless us. Si nous obéissons à ses lois. If we obey to his law. Il est prêt à nous bénir. To bless us. Qui veut que Jésus puisse les bénir? Who wants God to bless him? La bénédiction de Dieu. The blessing of God. Qui veut qu'il soit maudit? Who wants to be cursed? Voyez. Pour les malédictions,
Il y a pas de main. There is no hands for Kush. Okay, sans le savoir. Without knowing. Quand vous trompez Dieu. When we lie to God. Dans le paiement de la dîme. By paying your tithe, by not paying your tithe. Mais vous êtes maudit. You cursed. Nous sommes là pour nous entraider. We are here to help each other. Je vais lire les prophètes. I'm going to read avec la Bible. The prophet in the Bible. Et vous allez comprendre votre position. And you will understand your position. Êtes-vous du côté des bénédictions ou du côté des malédictions? Vous allez choisir. Are you to the blessing side or the curse side? On ne vous force pas. We don't force you. Mangez la dîme comme vous le voulez. Mangez la dîme. Mangez les offrandes. Il n'y a pas de problème. Eat the offering. Eat the tithe the way you want. There's no problem. Quelqu'un qui vous regarde. But someone is watching you. Quelqu'un vous regarde. Someone is watching you. Il n'agit pas. He does not act. Il ne vous bouscule pas. He doesn't push you. Il ne vous force pas. He doesn't force you. Vous mangez la dîme. You eat the tithe. Vous mangez la dîme. You eat the tithe. You eat it. Vous grossissez. You become big. Il n'y a pas de problème. That's no problem. Mais du point de vue spirituel. But spiritually. Vous êtes nulle part. You know where. Je veux lire les prophètes. I want to read the prophet. Une question qu'on avait posée à Frère Branham. They ask one question to Brother Branham. Commence par là. I'll start by there. Et puis ils vont nous dire que c'est un plan, un commandement. And I'll tell that was a commandment. Ok. Là je crois. Excuse. Les excès, il y en a beaucoup. Les contraintes, il y en a beaucoup. Banyongo, Nabela Kisanzo, Nabela Kimoena, pour te dire, mais ça, there is much excuses. Papa n'a pas comme na Congo, Nabela Kim. Lot of excuses. Bongo, Moena, pour te dire, mais ça, I was sick. My father was sick. I had to send money overseas. I sent money. C'est bien comme excuse. That's good as excuses. Dieu n'est pas là. But God is not there. Et le prophète a donné son exemple ici. And the prophet gives his own example here. Oh. Qu'est-ce que mon boulot? Qu'est-ce que tout le monde va combien ça va? Ok, maintenant soyez sérieux. Parce que 40 personnes qui ne payent pas la dîme. 40 people not paying their 10. Donc une bande de 40 voleurs. So we have 40 thieves. Et la police ne vous arrête pas. And the police doesn't even arrest you. Il y a quelqu'un qui vous arrête. Someone get you arrested. Ok. La question est la suivante. This is the question. Ça c'est parce qu'on a fait à Kinshasa. Ok, Dieu m'a compris. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme? Frère Branham, don't you see that whoever pretend to be Christian need to pay his tithe? D'apporter ses dîmes dans la maison du trésor. To bring his tithe in the house of the Lord. S'il vous plaît, please, donnez des passages bibliques là-dessus. Give us some scriptures upon it. Ah, vous voyez des passages bibliques. Give us some biblical. Pas vos pensées à vous. What do you think? Mais des passages bibliques là-dessus. Not your thought, but et les passages bibliques. Some scriptures. À donner. And the prophet gives some scriptures. C'est d'abord dans Genèse chapitre 14. First Genesis 14. Genèse 14, Genesis vous pouvez noter, Genèse 14, down, Genesis 14, 17 à 20. Verse 17 to 20. Malachi 3, Malachi 3, 7 à 10. 7 to 10. Hébreux 7, Hebrew 10 à 10. 7, 1 to 10. Je vais lire quelques versets. I would like to read some verses. Je prends Genèse chapitre 14. Let's take first Genesis chapter 14. Qui a payé la dîme et à qui il a payé la dîme? Who has paid the tenth and to who did he pay? Et la personne qui a reçu la dîme ne peut même manger la dîme. And the person who took the tenth. Genèse 14 verset 17. Genesis chapter 14 from verse 17. 17 à 20. 17 to 20. Je prends le verset 18. I'm taking verse 18.
Ça, c'est un grand morceau. This is a big part. Melchizedek, roi de Salem. And Melchizedek, king of Salem. Fit apporter du pain et du vin. Brought forth bread and wine. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. And he was a priest of the Most High God. Il bénit Abraham et dit. And blessed him and said. Béni soit Abraham. Blessed be Abraham. Par le Dieu of the Most High, maître du ciel et de la terre. Of the Most High God, possessor of heaven and earth. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. And blessed be the Most High God, which has delivered thy enemies unto your hand. Lui donna la dîme de tout. And Abraham gave him 10 tithes of all. À une personne qui ne connaît pas. Give tithe to someone who does la dîme de tout. Are known people. Tout ce qu'il a mis comme butin, il donne la dîme. The tenth of everything that he has. Et nous allons dans le Nouveau Testament. In the New Testament. Dans Hébreu. Hebrew. Hébreux 7. Hebrews chapter 7. Je vais confirmer ça. Hébreux 7. Hebrews chapter 7. Verset 1 à 10, mais je vais seulement lire quelques versets. I would like to read some verses, but it's from 1 to 10. Hébreux 7, 1 à 10, je vais commencer par 4 et 6. Let me start by 4 to 6. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. And verily, they that are of the son of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithe of the people according to the law, that is of the brethren, so they come out of the loins of Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. But he whose descent he is not counted from them received tithe of Abraham and blessed him that had the promises. Il a béni celui qui avait accompli la promesse. So he blessed the one who accomplished the promise. Et celui qui a reçu la dîme, va dire ça ici. And the one who received the tenth. Dîme, Abraham l'a jamais vu. The man that pay, who eat the ten tithes, un combat difficile. He went just to retour, fight, and on his way back, contre un homme. He met a man. Il s'appelle Melchizedek. His name was Melchizedek. Celui-ci lui donne le pain et le vin. And he gave him bread and wine. Comme bénédiction. As a blessing. Quand Abraham a vu ça, when Abraham saw that, non. Alors il a pris la dîme de tous les butins. He took the tithes of all loins and give to that person. Maintenant, écoutez les prophètes parler de ça. Now listen what the prophets say about it. Après, on va rentrer dans la Bible encore. Then we come back in the Bible then. On nous donne l'assurance. Insurance. Que Jésus ne peut pas mentir. That Jesus cannot lie. Amen. Vous pouvez noter l'adoption partie 5. Write down adoption part 5. Je ne sais pas si vous lisez les brochures. I don't even know if you read the brochure here. Vous êtes toujours busy. Everybody is busy. There is no time to read. Le temps de lire n'est pas là. There is no time to read the book. Je ne sais pas. Vous n'avez pas temps de brochure. Busy. Everybody is busy. Même il veut prier à fréquemment comme bah. Après la 2h du matin. C'est compliqué. It's so complicated even to pray. Et Satan vous regarde, mais ça sont des jouets. That's a toy. Il connaît pas le père. Un enfant qui connaît son père. A man that not a child that Satan knows his father. Satan le traite comme cela. He cannot treat him that way. No. No. Is that caté? No, that's not exist. Ça n'existe pas. That exist. Alors maintenant, écoutez le prophète répondre à la question. Now listen to the answer of the prophet. Très bien. Good.
Cela est exact. La Bible dit bien dans Malachie 3, il donne 4, verset 3. The Bible says in Malachi 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Can somebody lie to God? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? And you say, in what we've been deceiving you, Lord? Dans les dîmes et les offrandes. In your tithes and offerings. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes. Bring to my house all your tithes and offerings. Et mettez-moi à l'épreuve. And put me to test. Dit l'Éternel. Say the Lord. Et vous verrez. And you will see. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux. If I don't open the gate of heaven. Et ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. And pour upon you the blessings. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Until there is no more place to put it. 112. 120. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Behold a challenge for anyone. Et si seulement j'avais le temps, if only I had time, et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, and I don't take this scripture, I would like to explain it. J'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus. I'd like to give you my testimony. Ça, c'est Frère Branham. Upon it. Et vous dites que même lorsque j'étais affamé, even though I was hungry, que ma mère et les miens étaient affamés. And my mother was starving and et all que mon père était malade. And my father was sick. Je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. First, I had to take my tithes and give it to God. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. And you would have to see what happened. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un. Never during my life, I've never seen somebody. Ou femme, man or woman. Même si vous ne gagnez qu'un dollar par semaine. Even though you only earn $1 a week. Si vous apportez 10 cents sur cet argent. If you just take the 10 from that money. Et dans votre maison de trésor. And put it in the house of the Lord. Ou l'église que vous fréquentez. Or in the church where you go. Si Dieu ne bénit pas cela. If God doesn't bless it. Traitez-moi d'hypocrite. So consider me as hypocrite. Oui, monsieur. Says, yes, c'est sir. Un défi à n'importe qui. This is a challenge to anyone. Et tout chrétien. And all Christians. Cela répond à cette question. And tout this chrétien devrait payer la dîme. All Christians should pay tithes. C'est exact. That's exact. Cela devrait être fait. That's the way it should be done. Cela devrait être fait. That should be done. Même si vous gagnez $1 par semaine. Even though you have $1 a week. Vous avez par exemple $5,000. Maybe you have $5,000. Pour ces $5,000, for that $5,000, le dixième c'est combien? $500. The tithe is $500. Même lui était affamé. Even although you les miens starving, étaient affamés. My people were mon starving. Mon père était malade. My father was sick. D'abord, je prélève la dîme. First, I had to take my ten. Après, je lance un défi. Now I'm challenging. Faites ça de bon cœur. If you do that with your whole heart. Si Dieu ne vous bénit pas. If God doesn't bless you. Traitez-moi Branham d'hypocrite. Consider me as hypocrite. Mais Frère Branham est mort. And Branham died. Les enfants sont là. The children are there. Avec tout ce qui était dans les offrandes. With all that was in the offering. Ils continuent à tenir. They keep standing. Il a laissé beaucoup d'argent. He left a lot of money. Mais il dit, ses enfants sont là avec ça. But the children now they're with that. Nous au Congo, on a des brochures gratuitement. We have the brochure for free. Mais au Congo, c'est gratuit. Here you have to buy this book, but in et Congo it's free. Quand on parle de l'Afrique, c'est le Congo qui a une grande partie. Congo has a big une grande partie des brochures. Has a big part of these books au Congo. That goes to, goes to Congo. On ne paye pas. We don't pay the brochure there. On ne paye pas. We do not pay brochures there. Si vous payez, mais ici parce que ici vous avez beaucoup d'argent, pourquoi? Here you pay that because you have a lot of money. Là-bas on ne paye pas, les brochures viennent gratuitement. In Congo we don't pay, it comes for free. Ça c'est le fruit de l'argent que le prophète a laissé. Oh, that's the fruit of what the prophet left behind. Dieu ne vous bénit pas. If God doesn't bless you. Traitez-moi Branham d'hypocrite. So consider me as hypocrite. La dîme c'est le morceau, même à Kinshasa aussi, même à Kinshasa. Even Kinshasa, tenth is a big part. Trop peu de paix, la dîme, très peu. Only few of them. Et Dieu les bénit. But and God bless them. Et quand Dieu les bénit, when God bless them, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, those without quand Holy Ghost, Dieu les bénit, when God bless them, ils commencent à regarder à droite et à gauche. They start looking left side and right hand side. Maman là-bas, n'a pas besoin de subir tout côté. The mother of my children. Oh, I must look for another woman. Avec l'argent que Dieu lui a donné, with the money God has given, des dépenses inutiles. He starts spending, do expenses, useless. Quand Dieu bénit.
That's the wrong side. When God bless you without the Holy Ghost, vous risquez de rentrer dans le monde. You're at risk to go back in the world. Et la Bible que le prophète voulait lire, je vais aussi lire la même Bible. The Bible says I would like to read the same Bible. Malachi 3. Let's take Malachi chapter 3. Écoutez ce que lui-même la Bible dit. Listen to what the Bible says. Malachi 3. Malachi chapter 3. Si je veux lire presque tout. I would like to read everything. 7 à 10. From verse 7 till 10. Depuis le temps de vos pères, even vous the êtes écartés de mes ordonnances. Vous n'avez pas point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Even from the day of your father, you are gone away from my ordinances and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, said the Lord of hosts. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? But you said, wherein shall I we return? Un homme trompe-t-il Dieu? Will a man rob God? Car vous me trompez. Yet you rob me. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? But you say, wherein have we robbed thee? L'homme pose toujours des questions. All these questions. En quoi t'avons-nous trompé? Wherein have you robbed you? Dans les dîmes et les offrandes. In tithes and offerings. Vous êtes frappé par la malédiction. You are cursed without curse. Et vous me trompez. Et la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. For you have robbed me and even this whole nation. Bring you all the tithe unto the storehouse that there may be meat in my house. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Prove me now, say the Lord of hosts. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. And you see if I not open you the windows of heaven. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. And pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Ça paraît simple et banal. It's like useless. It's... Mais si vous y consacrez. But when you consecrate yourself. Vous verrez un changement dans votre vie. You will see a change in your life. Parce que Dieu garde sa parole. Because God keep His word. Dieu tient sa parole. God keep His word. Nous à Kinshasa. In Kinshasa. La maison qu'on a construite, c'est presque plus ou moins 5 millions de dollars. That tabernacle we have built is almost 5 million of dollars. On n'a reçu aucun financement extérieur. We have received any. Les gens pensent que l'Amérique est une bonne rien. From people. People think that America sent us love. Même pas le gouvernement. But not even government. Mais ce sont les petits peuples. It's the small people. Qui vendent des pains. That sells their bread, their coconut, et les autres, and everything. Qui donnait petit à petit, jusqu'à ce que la maison soit construite. Until the house is built. Mais dans tout ça, in all this, ça va avoir une bonne volonté. You need to have a good will. Vous devez avoir une bonne volonté. You need to have a good will. Ça veut dire qui vous a permis de venir ici? Who allowed you to come here? Je connais ça un homme prochainement. I believe we'll live already there. Qui vous a réveillé le matin? Who wakes you up this morning? Endormi hier soir. You were sleeping yesterday. Qui vous a réveillé? Who woke you up this morning? Oh, chef. Vous avez quitté votre maison. You left your house. Qui vous a protégé? Who protects you? Lui vous protège. He is the one who protects. Lui vous garde. He keeps you. Il vous donne la vie. He gives you life. Et vous, que faites-vous en retour pour cet homme-là? So what you do in return to what he gives to you? Il y a une prédication. There is a preaching. Il prend soin de vous. He takes care of you. Dieu prend soin de vous et vous. God look after you, but you. Vous faites la même chose pour Dieu. You do the same thing to God. Faites la même chose. You need to do something. C'est compliqué, mais c'est comme ça. It's so complicated, but that's the way it is. Ça paraît un peu difficile. It seems difficult. Mais si vous décidez. But if you decide. Seigneur, cette contrainte-là, enlève-moi les contraintes. Lord, take away this enforcement. Parce que souvent. Because often. Nous, on avait ça à la maison. Là, alors, j'étais encore au début du message. Chaque fois, on payait le 20. This was at the beginning. Quand on arrivait vers le 15, le 16.
Il y a un enfant qui tombe malade ou bien maman tombe malade. I used to get paid on the 20th. Et cet argent, 19th, there's someone suffering in my house and that's how that money. Si c'est presque fini. La malade s'en va. Chaque fois comme ça, chaque fois comme ça, chaque fois comme ça. Mais I spend all that money. Dieu and afterward, Dieu est riche en miséricorde. The sickness is gone. Every time it was like that, but God is rich Seigneur, in mercy. Vous avez eu pitié de moi. God, he had mercy. Je ne te connaissais pas. I didn't know you. Mais toi, tu m'as connu. But you knew me. Tu m'as donné ce message. You give me this message. Je n'avais pas de frères et sœurs. I didn't have brothers and sisters. La famille nous avait abandonné. The family forsake you. Les gens ne venaient plus à la maison. People couldn't come home anymore. On nous disait tu connais l'église Baluba. He was like, oh, you went to the Baluba's church. Et on t'a abandonné presque. Mama, come to me, people. Everybody abandoned us. Bambula. Is that what you mean? Bambula. Et belé, les gens ne venaient plus à la maison. The people couldn't come at home donc anymore. La famille abandonnée. The family forsaken. Mais Dieu, but God, qui est riche en miséricorde, who is rich in mercy, nous a donné des frères et sœurs. He gave us brothers and sisters. Dans le message. In the message. Ce que Jésus avait dit un jour. So what Jesus said one day. Seigneur, Lord, votre maman et vos frères sont dehors, ils vous cherchent. Your mom and your brothers are outside waiting for you. Jésus a dit. Jesus said. Dites-leur, attendez-vous que je termine d'appeler. Non, non. What did he say? Avec qui est mon père? He said, who is my father? Qui est ma mère? Who is my mother? Qui est mon frère? Who is my brother? C'est vous qui écoutez la parole de Dieu. You that are listening to the word. Une réponse directe. That was a direct question and answer. They were so discouraged, but. Parce que Jésus est venu nous donner l'exemple. But Jesus came to give us an example. D'abord les affaires de son père. First the business of his father. Du père. And the father's business. C'est le message de la is the message of the end time. D'abord sacrifiez pour la parole de Dieu. D'abord vous sacrifiez pour la parole de Dieu. First you commit for the word. Quand vous faites ça, when you do this, Dieu voit votre disposition du cœur. God see your heart. Il commence à vous bénir. And start blessing you. Il va vous bénir. And will bless you. Pour voir qu'est-ce que vous ferez. To see how will you do. Quand il vous bénit, when he bless you, vous faites des bêtises. You do nonsense. Il freine. He stop. Quand il bénit, when he blessed, d'abord la parole de Dieu. First the word. D'abord la parole de Dieu. First the word. Et ensuite, and then. Le reste après. The rest. Il y a une partie où le prophète dit qu'un jour, il avait même des grandes factures à payer à l'hôpital. One day, Brother Branham had a lot of bills to pay for the hospital. Il a dit même, demande excuse. He tried to ask sorry. Il a dit, je m'excuse. He said, I'm sorry. Je vous paye pas ce temps parce que je dois d'abord payer la dîme. I'm not paying you this time because I have to pay the dîme to God. First of all, time. Quand Dieu a vu cette position du cœur, Dieu l'a béni. When God saw that he was ready to do that, God blessed him. Un jour, on venait un chèque de 2 500 000. One day, they brought him a check of $2,000. Quand il a vu ça, $2 million. Dit non. Moi, je ne suis pas venu pour l'argent. When he saw this, he said, I'm not here for the money. Déchiré, à l'église, he tore that check. Vous et moi, c'est une occasion. You and me, that was an opportunity. Prince David. Prince David. 2,500,000. $2,500,000. This is the check. A dit, le don n'est pas là pour l'argent. He said the gift is not there for money. Il a déchiré ça. And he tore it out. Prince de ville, pire que le vin, moins que le vin, 2,500,000. 2,500,000. C'est un poids à boîte. He just tore it up and threw away. Donc le prophète nous a donné un exemple. So the prophet has given us a great example. Ça, c'est pour dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. This is to tell us that God himself nous avait dit, to warn you. Parce que tout ça c'est le plan de Dieu. Because all this is God's plan. Et si nous suivons le plan de Dieu, if we follow God's plan, Dieu nous bénit. God will bless us. Si nous faisons le contraire, if we do the contrary, c'est Satan qui va nous bénir. Don't believe that he will bless. Satan aussi bénit. Because Satan also bless. Satan aussi bénit. Satan bless alors, as well. Alors ce qu'il dit ici dans Hébreux chapitre 7. This is what he says in Hebrews chapter 7, paragraphe 123. Pourquoi un homme recevait-il des dîmes? How can men receive the tenth? S'il n'a jamais connu de naissance, if he never be born, ni jamais ne mourra, nor he die, he will die. Qu'il était du commencement à la fin. He was from the beginning to the end. Et s'il n'a jamais eu ni père ni mère, and he never had father, ni nor descendance, no offspring. Et qu'il possédait les cieux et la terre, and he possessed the heaven and earth.
and Tyre, et tout ce qui s'y trouve, and all that is in him. Pourquoi recevrait-il une dîme? Why should he receive the tenth? Ça c'est Melchizedek. Pourquoi? It's Melchizedek. Why? Ni commencement ni fin. Pourquoi? No beginning. Pourquoi demandait-il à Abraham de payer les dîmes? Why should he ask Abraham to pay his tithe? Le paiement des dîmes est une chose juste. The payment of the tenth is the right thing. Chaque chrétien, whoever, est lié par every le Christian, is bound de payer la dîme. To pay his tithe. C'est vrai. That's true. Cela n'a jamais été modifié. It never been modified. Jamais. Never. Maintenant, l'État. Pas non. L'État, mais l'homme veut faire son programme. Now a man, not ici, a government, tried to do his plan. De Pergame, in this church, Pergamus on Pergamus. Maintenant, ils font des dîners de gala, les balles dans le sous-sol et toutes ces modernités destinées à récolter de l'argent pour pouvoir payer le pasteur. They do all those paganism stuff just to recall to get money and to give to the pastor. Et cela n'entre pas dans les plans de Dieu. And those things don't enter in the plan of God. Et si l'on apprenait simplement aux gens à payer leur dîme, if they could only teach people how to pay their tithes, cela suffirait. Now it would be enough. C'est cela. That's le plan de Dieu. That's the plan Dieu of God. A un plan. God is an offspring. Mais l'homme, amen, veut faire son propre plan. Man needs to do his own plan. Il brida le plan de Dieu. But he breaks the plan of God. L'année Pascal j'étais ici, vous avez parlé sur le plan. On a parlé longtemps sur le plan de la rédemption. I spoke to you about redemption plan. L'homme, bon. Il y en a qui voient que c'est difficile de parler de la dîme, mais si le prophète dit ça, si l'on apprenait simplement aux gens à payer leur dîme, cela suffirait. If we could just tell people how to pay their tenth, it would be enough. C'est cela le plan de Dieu. That's the blueprint of God. Et il ajoute quelque chose. And he adds something. Dans l'identification de Christ dans tous les âges. Identification of Christ in all churches. Ici encore, il pose des questions. Il ask a question. Combien on serait insensé après l'unique voie de la rédemption? How many will be crazy about this only way of redemption? L'unique plan qui a été tracé. Only plan that was laid off. Que cela est ensuite méprisé. And this is defied. Cela serait une chose. Il réfléchit de mépriser l'unique voie. This will be a nonsense to reject this plan de Dieu. This only plan, the plan of God. Il y a beaucoup d'autres plans. There is so many other plans. Mais Dieu a un plan. But God has one. Et ce plan-là est par Jésus-Christ. And that plan is through Jesus Christ. Et Jésus-Christ seul. And Jesus Christ alone. Ce n'est pas par quelques systèmes. It's not by some system. Quelques systèmes éducationnels. Not educational ou system. Ou quelques systèmes dénominationnels. Or a missionary system. Ou quelque chose. C'est par Jésus-Christ. Or something else is through Jesus Christ. Lui seul. Only him alone. C'est le plan éternel de Dieu. It is eternal. It is eternal plan of God by himself. Dieu fait les choses toujours d'une seule manière. God does things all the same way. Il ne change jamais sa manière de le faire. He never changes way of doing things. Il ne change jamais. He never change sa manière de le faire. His way of doing things. En bref, c'est comme ça. Short, in short, that's the way it is. Qui n'a pas compris? Who didn't understand? N'en a compris. Who understood? Qui a compris? Bon. Alors, Dieu, que Dieu bénisse les mains qu'on a levées. May God bless those little hands that raised up. Les mains qui sont levées hypocritement. The hands that raised hypocritically. Je dis point. I'm just saying. Je termine pas. I'm not finishing. C'est vrai. It's true. Dieu ne ment pas. God never lies. Et sa venue est proche. His coming is close. Bientôt l'enlèvement aura lieu. Soon the rupture will take place. C'est pourquoi Jésus nous invite. That's why Jesus invites. De fuir auprès de lui. To run to him. Je veux lire quelque chose en terminant. I would like to read something to finish. De fuir auprès de lui. To run to Jesus. Parce que c'est en lui. Because to him. Où il y a tout. There is everything. Et dans échappant à toute contrainte. In let us escape to all enforcement.
Je crois on y reviendra. I believe we'll come back upon this. On y reviendra. Il y a beaucoup de petites choses ici qu'on doit voir. We'll come back to this because we have some little things that you have to see. Dans Proverbe 18, it dit. In Proverbs chapter 18. Le nom de l'Éternel est une tour forte. The name of the Lord is le a stronghold. Le juste s'y réfugie. The righteous go and get rid of him. Et se trouve en sûreté. And they find themselves in safety. Le nom de l'Éternel. The name of the Lord. Souvent, on a tendance à fuir auprès des ancêtres. We seems to run to the ancestor. Mais nos ancêtres n'ont rien laissé de bon. Rien. But our ancestors left nothing good to us. C'est nous dans le Bas-Congo. Especially us in Bas-Congo. Nos ancêtres ont laissé beaucoup d'interdits. Our ancestors left many things, many forbidden things. Ceci, la femme ne mange pas. Ceci, la femme ne mange pas. This woman cannot eat this. Cette bête, la femme ne mange pas. That woman cannot eat. Souvent, j'ai demandé à mes oncles qui étaient là. Often I was asking my uncle. Vous ne pouvez pas juste. My uncle. Quand un vieux va manger quelque chose, one, some, il dit que c'est intéressant. Alors il veut maintenant imposer ça. Oh yo, moi c'est aléatoire. If a person eats something good, now is that lying to people? The woman cannot eat this. If he tried to eat, she tried to eat it. To be like this, that's all enforcement. Dieu a créé toutes choses. God created everything. La femme mange ça. The woman needs to eat. L'homme mange, c'est problème. Men need to eat the same thing. Mais il y a beaucoup de choses. But there is a lot of things. Beaucoup de choses jusqu'ici. Till here, il y a pas de réponse. There is no the answer. Mais la réponse est en Dieu. But the response is in God. C'est pourquoi nous allons au paragraphe 75. And so I'm going to read on paragraph 70. Toujours échappons à toute contrainte. Oh, let us escape to all things. Soyez attentifs. Just be careful. 75. Si vous tombez malade, 75. Et si votre docteur vous dit, if the doctor says, Il y a pas d'espoir. There is no hope. Tranquillisez-vous. Be cool. Be quiet. Appelez votre pasteur. Amen. Call your pastor. Il vous oindra d'huile. He will anoint you. Et il priera pour vous. And he will pray for you. Il est écrit dans Jacques 5:15. It's written in Jack chapter 5 and 15. Prière de la foi sauvera le malade. The prayer of faith will save the sick. Et le Seigneur le relèvera. And the Lord will strengthen him. Christ est votre refuge. Christ is your refuge. Je souhaite que vous en parlez. I believe we'll speak about des choses. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui. Is found in him. Et il dit lui-même Amen. And he says himself, Amen. Vous pouvez me dire, you may tell me, Frère Branham, Brother Branham, j'ai tant de soucis. I've a lot of worry. Retrouvez le calme et la paix en vous réfugiant en lui. Find your peace by keeping yourself under him. Il prendra sur lui tous vos soucis. He will carry all your worries. Car il prend soin de vous. Because he takes care. C'est son affaire. That's his problem. Ce n'est plus la vôtre. It's not a problem anymore. C'est son affaire. It's his problem. Croyez seulement ce qu'il dit. Only believe what he says. Et le reste, and the rest, il va le faire lui-même. He'll take care of himself. Comment il le fera? How will he do that? Ne me pose pas de questions. That's not your problem. Croyez seulement. Only believe. Dites Seigneur, say Lord, j'entends ta parole. I love your word. Tu m'as reproché. You rebuke me. Je te demande pardon. I say, forgive me, Seigneur. Forgive me, Lord. Révèle-moi la chose. Reveal me the thing. Que je puisse l'appliquer. So I may put it into du fond de mon cœur. Honestly, my heart. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré un de dans un prix unique une dame âgée de 60 ans. Years ago, I met a woman, grown-up woman with 60 years old. Et qui n'en paraissait pas 30. But he was like 30. Donc 60 ans, mais il paraissait encore jeune. She was 60, but you could see her young. Je lui disais. And I told comment allez-vous, ma sœur? How are you, my sister? Venez écouter la réponse. Now listen to the answer. Comment allez-vous, ma sœur? How are you doing? Voici ce qu'il me répondait. Now listen to the response. Quand je suis venu à Christ, when I came to Christ, j'avais environ 12 ans. I was 12. Je lui ai tout raconté.
tout apporté. I gave to Christ everything. J'ai tout mis à son à ses pieds. I put everything on his feet. Mon être tout entier. All my being. Depuis ce jour-là, and from that day, je ne me suis plus jamais fait de soucis. I never worry about things. Il s'occupe de moi. He's looking after dans me. Dans tous les domaines. In everything. Il s'occupe de moi en so, tous les domaines. He's looking after me in everything. Jésus-Christ a promis. Jesus Christ promised. Il prendrait sur lui that he will take upon tous vos soucis. All our worry. Déchargez-vous sur lui. So you need to put de all the tous vos problèmes. Our problem upon him. Et cessez de vous inquiéter. Amen. Vous me direz peut-être. You will tell me maybe. Frère Branham. Brother Branham. Comment puis-je le faire? How will I do that? Tout simplement only en faisant confiance en sa promesse. By trusting in his promise. Il a promis, he promised, donc il le fera. Then he will do that. C'est simple. It's so simple. C'est lui qui l'a dit. Who did, oui, who il l'a dit. Yes, he said. Le jour où... Bon, ça, je crois que je m'arrête là. I stopped there. Frère Branham, Brother Branham a donné ce message, he gave this message pour nous avertir, to warn us, pour nous remettre sur le droit chemin, just to put us on les the right soucis, way. Les soucis tuent. The worry kills. Quand vous avez des soucis, when you are worrying, si ce n'est pas le cœur, si ce n'est pas le cœur, if it's not the heart, c'est l'estomac. So it should be the gastrique. Mal au ventre, mal au, l'estomac c'est les soucis ou le cœur. Oh, it will be the stomach. Ou l'estomac. So it will be the heart. Et Satan ne veut pas vous voir content. So God wants to see happy. Être tranquille. To be quiet. Parler à votre père. To speak to your father. Satan ne veut pas ça. Satan doesn't want that. Vous distraire. He wants you to be distracted. Vous avez mal à la tête. So you vous avez headache, mal au ventre. You have. Vous avez mal à la dent. You have toothache. You have everything. Vous avez jambes. And you have everything hurt. Donc il veut avoir quelque chose sur quoi vous basez vos pensées. Amen. So you just want to see. Vous êtes centré sur Jésus. C'est centré sur les choses inutiles. So Satan wants you to have something where you can attract your attention. Jésus est le même. Jesus is the same. Yesterday, éternellement, today and forever. Donc l'important aujourd'hui, the most important thing today, de vous savoir, is to know, ce sont des contraintes. That all these are the force men. Il faut agir contrairement à la parole de Dieu. You need to act according to the word. Et c'est tout. Especially vous qui avez, vous qui touchez le vendredi, chaque peut-être vendredi, pour vous la fin du mois c'est vendredi. You guys that get money on Friday. La fin du mois c'est vendredi. For you the month end is peut-être Friday. Mercredi et jeudi. Maybe Thursday and Wednesday. Vous aurez des coups de fil venant du Congo. You will have some calls from Congo. Votre grand-père, your grandpa, ou votre grand frère, or your big brother, maman, or your mom, ou votre tante, or your auntie, a été le problème. Stop it. Nous ne comptons que sur vous. Hey, had a problem. We just ran you. Le peu de temps qu'on a fait au Congo. And that little time you had in Congo. Je leur disais. I told them. Ne comptez pas sur l'Amérique. Don't even rely on American people. Ils n'ont pas d'argent. They don't have money. Ils n'ont pas d'argent. They do not have money. They have nothing. Tous ces cartes. Et la carte, c'est combien, je ne sais pas. All American has card only. And in the card, how much are in the card? They don't have money. Et c'est vous qui travaillez. If you work, n'allez pas là-bas, vous allez pleurer. Don't even go there, you'll cry. Vous qui travaillez. You that are working in Congo, n'allez pas en Amérique. Don't even bird there to go to America. Restez au Congo, restez au Congo. En Amérique, il n'y a rien. Stay in Congo, America, there's nothing in America. On vous paye aujourd'hui. They pay today. On va mettre les taxes là-bas, taxes. Vous n'avez rien. Taxes and you have nothing. Vous commencez à regretter. Qu'est-ce que je suis venu faire en Amérique? You start regretting what did I come to do in America? Je rentre au Congo. I should go back to Congo. Mais comment rentrer au Congo? How to go back in Congo? Pas d'argent. No money. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. So you are blocked. En tout cas, j'ai essayé de décrocher beaucoup de frères et sœurs. I try to advise many brothers and sisters. They say, oh, is that the way it is? Un Américain vous envoie $50, il vous aime beaucoup. If you see an American send you $50, he loves you so much. He loves you so much. Parce que 50 c'est beaucoup. $50 is too much. Je connais, mais l'Europe ça va encore. L'Europe ça va encore. I know, mais Europe. But America. Ah, vous n'avez rien. You have nothing here. Vous n'avez rien. You have nothing.
J'ai déjà vécu moi-même en Amérique, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. I was in America, there's nothing in America, there's no money. Est-ce que n'a pas ça qui? Did I lie to them? No. J'ai défendu votre cas, j'ai défendu votre pasteur. I defend you. L'enfant qui est là, ne vous envoie rien. I said, if somebody's in America that said nothing to you, don't be worried. Don't you worry about it. Ils n'ont pas d'argent. They don't have money. Et c'est vrai. And that's true. Tout chibang. Tout chibang. C'est ça la raison. Il y a même, j'ai vu un contrat de l'appareillement. Regarde ta livre, ne me papa. I told him to not comptable. Do that. Comptable. Cadre de l'appareillement. Et papa, parce qu'on trouve des travaux, c'est pourquoi. On a regardé ta livre, papa, tu ne me papa. I told him, leave it alone. Vous êtes comptable de l'appareillement, restez là, c'est bien, vous êtes bien. Ou bien. Venez faire un tour en Amérique, vous rentrez au Congo, ça, il n'y a pas de problème. You can come to America just to... Mais on peut dire, vous voyez, ah ouais. Ah, Shadrach. Comment on a amené ça qu'à faire, on a amené ça qu'à faire, sans ça qu'à faire, ça par jour, mais... Shadrach, c'est compliqué. C'est compliqué. It's so complicated. C'est compliqué. It's very complicated. Beaucoup ont compris, ah, moi j'ai pensé que... Ne jouez pas avec votre vie. Do not play with your life. Rien. There's nothing in life. Restez au Congo. Au Congo, il y a de l'argent au Congo. Stay in Congo. There's money in Congo. Il n'y a pas de taxes à payer. There is no taxes to pay in Congo. There is nothing. Vous êtes calme ici. Restez au Congo. When you're good here in Congo, stay in Congo. Mais quand même, ce que vous voyez, tenez pas même 5 dollars. Il n'y a pas de problème. If you have something, send something to them. Don't let them. If you have something, just send something to them. They need it. They really need it. And meanwhile, we're going to pray the Lord. If you did wrong, you didn't pay your tenth. The first thing, repent. Seigneur, pardonne-moi. Lord, forgive me. Je ne savais pas, Seigneur. I did not know, Lord. Une fois seulement, Seigneur. Once more, Lord. Maintenant, now, donne-moi la force. Give me the strength. Paye ma dîme. To pay my tithe. Si je vais manquer rien, I will never miss. Rien à mer, je paye ma dîme. I pay my tithe. Je veux que tu puisses me bénir. I want you to bless me. Quand tu me bénis, when you bless me, je te serai reconnaissant. I will be grateful. La première chose, reconnaissez votre tort. The first thing, recognize your mistake. Parce qu'il y en a qui ont payé la dîme de 2014, 2015, rien. 2014, 2015, Dieu n'est pas content. Dieu, God is not happy. Quand Dieu ne vous bénit pas, when God bless you, l'homme le plus malheureux. So you the cursed person, la femme la plus malheureuse. The cursed woman in mais the nous voulons que Dieu puisse nous bénir. So we'd like God to bless us. Que nous avons des maisons à payer ici. We have a right to pay. Payer ici, c'est cher. Le courant, c'est cher. Everything, nous, rent is expensive. Nous, comment le courant, c'est rien. Electricity is expensive. In Congo, it's nothing. 14 000 francs. Nous voyons, c'est cher. 14 000 francs, c'est cher. With $14, mais ici, vous avez it's more expensive. 300 dollars. But here, $300. Only the electricity. Vous n'avez pas si vraiment. So you're suffering, guys. Mais tout ça, c'est entré, ça, c'est juste. But, et si Dieu vous bénit, if God bless comme on a écouté le vendredi, as we've seen on Friday, Dieu ne demande que votre cœur. God only asks your confiez-lui heart. Votre cœur, commit your heart to him. L'âme, l'esprit, your soul and le corps, spirit and the flesh. Et le reste, and the rest, c'est lui qui vous a appelé, the one who called you, il le fera. He will do that. Amen. C'est pour croire à ses promesses. But you need to believe in his promise. Tu m'as dit, Seigneur, c'est la vérité. All God says, je ne discute pas. I'm not discussing. C'est entièrement tort. I am wrong. Seigneur, pardonne-moi. God, forgive me. Aide-moi. Help me, pour que le reste, so that the rest soit entre tes mains, be in your hand. Dieu est prêt. God is ready. Il n'y a qu'un seul péché qui ne pardonne pas. Only one sin cannot forgive. Vous ingérez le Saint Esprit. If you insult the Holy Ghost, là il n'y a pas de pardon. There is no forgiveness. Mais le reste des péchés, but the rest of sin, quand vous repentez, when you repent, sincèrement, sincerely, il vous pardonne. God will forgive you. Il est riche en miséricorde. He is rich in mercy. On va faire l'expérience. We'll make that experience. Je néglige même maintenant. Je Lord, accroché à toi. I neglected, but now de moi ce que tu veux. I cling to you, so you may do what you want. Tu appartiens. Because I belong to you. Moi avec mes cheveux blancs. Me and my white hair. J'ai consacré ce corps à des bêtises, des bêtises, des bêtises. Maintenant, I committed this flesh to the nonsense, but now, Lord, I'm giving to you, so you may take care of my soul, de mon corps, my flesh, de mon être, tout my spirit, all my being. Confie ça.
committing to you. Fasse de ce corps ce qu'il veut. Amen. So he may do whatever he wants. Alors là, Dieu sera content. And then God will be happy. Ce corps ne vous appartient pas. This flesh is not ours. Quand vous buvez, when you, la bière, when you drink, Dieu n'est pas content. God is not happy. Quand vous volez, when you rob, Dieu n'est pas content. God is not happy. Quand vous mentez, when you lie, Dieu n'est pas content. God is not happy. Tout ça sont des contraintes. All those are enforcement. On est obligé de mentir. We must lie. Si vous ne mentez pas, if you do not lie, vous ne serez pas populaire. You won't even be popular. Mieux qu'on puisse vous haïr, it's better to be que Dieu puisse hated, vous accepter. So God may la seule personne quand il vous pardonne, the only one quand who can forgive et vous soutient, when he support you, le reste the rest est facile. Is easy. Donc Dieu nous aime beaucoup. So God loves us so much. Prions les uns pour les autres. Let's pray one another. Ne soyons pas distraits. Don't be distracted. Quand je lis ce journal de l'adoption, mais c'est compliqué. It's so tout ça sont des distractions. All those qu'est-ce qui se passe au Congo? What happened in qu'est-ce qui se passe au Congo? What happened in Congo? Qu'est-ce qui se passe au Congo? What happened in Congo? Posez-vous la question. Ask question. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de notre père? What is happening in qu'est-ce que la Bible dit? What the Bible says? Qu'est-ce que la Bible dit? What the Bible says? Et nous prions les uns pour les autres. That's what we pray one another. Et on m'a beaucoup appelé dans les vos états ici. Qu'est-ce qui se passe que pour que vous avez quitté le Congo? J'ai quitté le Congo parce que c'est le plan de Dieu. Je suis ici à son œuvre aussi. I'm here on his parce que amen. Dieu est partout. Because God is everywhere. Et c'est lui qui nous conduit. He's the one who leads us. C'est lui qui nous transforme. He transforms. C'est lui qui nous protège. And he protects us. C'est lui qui fait de nous ce qu'il veut. He does of us what he wants. Parce que très bientôt, because soon, il y aura l'enlèvement. There will be the rapture of the bride. Qui veut être enlevé? Who wants to be raptured? Ok, ça c'est le vrai enlèvement. The rapture is the last nous, thing. Nous, au Congo, on enlève les gens forcément comme ça. On vous enlève. In Congo, they take people, they make them mais disappear. Mais quand lui vous enlève, but when he takes you up, il vous apporte quelque part. He brings you somewhere. Là, vous serez jeune. Where you be young. Pas de maladie. No disease. Partir à payer. No bill to pay. Pas d'accident. No accident. Là-bas, c'est la paix éternelle. There is peace. C'est la joie éternelle. It's joy. Et l'amour parfait. It's perfect love. Parce qu'il a préparé un pays. Because he has prepared a city. Nous irons tous. Where we be going. Mais là-bas, les voleurs ne vont pas entrer. The robber will never enter. Les assassins ne vont pas the entrer. The killer will never enter. Les critiqueurs ne vont pas entrer. The gossiper will never enter. L'amour parfait. Only love. Perfect love. Ce sont là qui seront enlevés. All the perfect love will je pense and I believe que les yeux qui me regardent those are looking at me now, ont le souci d'être enlevés un jour. They need to be taken up one day. Mais tel que les choses se passent maintenant, l'enlèvement n'est pas pour longtemps. But something is happening now. The rapture is not for long. N'est pas pour longtemps. The rapture is not for long. Parce que quand vous voyagez, when you travel, c'est là que vous voyez qu'il y a partout une peur de la mort. You can see everywhere the people are fear of death. The control se passe partout. There is so much control. We need to take off our belt before we enter. You take it off. Sauf le bague, pour le bague, pour le bague, except the ring, souliers, tout, everything, shoe, everything you need to take. You even lift up your hands. Mais avec Dieu, but with God, lui, him, il connaît votre cœur. He knows your heart. Il connaît vos pensées. He knows your thoughts. Il connaît ce que vous avez fait hier. He knows what you did yesterday. Vous allez faire aujourd'hui. He knows what you will going to do today. Donc rien n'est caché devant Dieu. So nothing is hidden before God. Si un homme a craint, c'est lui. If there is someone you need to fear, to fear of is God. Hier, he's the same yesterday, aujourd'hui, today, éternellement, and forever. On va prier le Seigneur. Well, let us pray the Lord. Relevez. Let us stand up and pray. The first thing, reconnaissez que vous avez tort. Recognize your mistake. Ne vous donnez pas raison. Don't even give you a right. Ne vous donnez pas raison. Don't even give yourself right. Jésus, quand on avait appelé un jour, one day when they called Jesus, il était bon. He was good. Il dit non. He said, sauf lui qui est bon. Except him, he's good. Nous sommes tous fautifs. We all guilty. Tous fautifs. All of us, we guilty. Mais Dieu pardonne. Like only God forgives. Dieu nous aime beaucoup. God loves us so much.